Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du droïde Tech et on se retrouve sur Braveland Heroes. Donc là c'est la suite, il y a l'épisode 1. Je vous mets le petit lien en haut là sur le i. Vous pouvez aller voir la présentation du jeu et tout ça. Et là on continue avec l'épisode 2. On est toujours sur la version 1.46.1W du jeu. Donc depuis la dernière fois, j'ai pas rejoué au jeu. Donc on fait l'aventure ensemble, on va essayer de débloquer pas mal de choses ensemble dans cet épisode. Donc un épisode assez court aujourd'hui, on est lundi. Donc là, on y va. Oui. Belle prise, impeccable, on pourra y retourner dans quelques temps. Voilà, niveau 3, donc là pour l'instant je peux toujours rien faire, mais ça viendra. Hop, et ben on va aller faire le petit combat là. C'est parti. Je suis un brasseur réputé pour son. Hop, je suis peut-être pacifique, mais je ne supporte pas qu'on piétine ainsi. Si bonne pousse, aimez la nature, bon sang. Donc là, on a mon équipage. Enfin, voilà mon équipe, parce que c'est pas l'équipage, on n'est pas à bord d'un bateau, mais vous m'avez compris. Il est tard. Hein. Et oui, pour une fois, je fais pas l'épisode dans la journée, je le fais ce soir. Voilà, donc le record, c'est pratiquement du live. C'est parti. Donc comme je vous ai dit déjà dans la première vidéo, on va jouer pour le moment offensivement. On va pas jouer trop la défense. On verra avec le temps. Ok. Là j'avance mes pions tranquillement. Donc là l'ours il va falloir que je le bute. Ça c'est clair. Et je vais directement utiliser ce qu'il faut. Voilà. Pour pouvoir les buter rapidement. Là on y va. D'accord. Je vais augmenter ma force. Impeccable. J'augmente ma défense. Là, on va attaquer ici, ici. Je veux vraiment terminer rapidement ce niveau pour pouvoir progresser avec vous. Que ça ne dure pas trop trop longtemps. Parce que là, on est déjà en vitesse rapide. Ok, super. Ouais, il aurait pu attaquer un petit peu plus. Ça aurait été pas mal. Voilà, impeccable. Je vais pouvoir récupérer la potion. Par contre là, si l'ours vient vers moi, je suis vraiment dans le pétrin. Hop. On va lui faire attraper ça. Impeccable. Il augmente. On avance. Tout simplement, ça se joue assez facilement. Bon, c'est parfait. Il me reste plus que lui là, le fameux zombie vert. J'espère que je vais pouvoir le buter direct. Ah, même pas. Impeccable. Voilà. Partie assez rapide, vous avez vu. Mais j'ai quand même perdu du monde. Ah, je peux enfin fabriquer un équipement. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais depuis le début. On va pouvoir se farmer. On a récupéré ce qu'il faut. Ok, donc là, je peux fabriquer. On va fabriquer. Voilà, épée d'entraînement. Donc, une épée en bois, c'est pas terrible, terrible. Mais bon, voilà, on commence le jeu. Donc, évidemment... On n'a pas grand chose. C'est fort dommage, mais c'est toujours comme ça avec les jeux. Là, je vais essayer de récupérer un petit peu de monde. Hop. Allez, hop, on arrête là. On y va, on va essayer de vaincre lui. Certains détenus souhaitent rejoindre votre rang, je pourrais en libérer un pour quelques pièces. Allez, vas-y. On va voir ce qu'on a obtenu. Pff, impeccable. Une sorte de canonnier. Enfin, pas, non, c'est pas vraiment un canonnier. Enfin, voilà, vous m'avez compris. J'adore vraiment le son médiéval du jeu. Et les graphismes sont super, en fait, c'est l'effet cartoonesque. J'adore à mort. C'est beau, c'est fluide, ça rame pas. On est sur Android, pépère. Moi personnellement, je vous le conseille le jeu, hein, je vous le redis. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Je détaille un petit peu plus le jeu. Là, on est plutôt sur un let's play de deuxième épisode. Un let's play détente. Donc là, voilà, on a des barrières. Donc on a une confrontation et du coup, on voit, on n'a qu'une allée. Hein. Directement, c'est celle où il y a le loup blanc. Donc soit je vais à gauche, soit je vais à droite, soit je vais au milieu, mais je pourrais pas attaquer comme je veux.
Donc là, pour les archers, c'est pas terrible. Voilà, là, il y en a un qui se déplace, c'est impeccable. Je vais le mettre là. Lui, je vais le mettre là. Je vais plutôt tirer celui-là. Enfin, je vais plutôt faire ça. Voilà, donc j'attaque fort directement. C'est parce qu'en fait, je veux vraiment les éliminer, eux. Ils vont me faire chier jusqu'au bout et c'est archi chiant. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Limite du vampirisme, bah ouais, tu m'étonnes. Hop. Nickel. Ouais, j'ai pas trop le choix. En fait, quand l'ennemi est assez proche, je peux pas faire grand-chose. C'est pas ce que je voulais faire. Tant pis. Et là, on va pouvoir se faire plaisir. Bon, la défense est pas terrible, franchement. On a pu mieux avoir. J'aurais préféré de l'attaque. Donc là, j'ai quand même perdu 3 personnages. Et je suis au niveau 5. Donc à partir du niveau 6, on va voir au niveau du village. Bon, je peux déjà prendre un sort. Donc ça, c'est impeccable. Bibliothèque, héros. Parchemin, x2, parchemin 500. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Voilà, apprentissage continué. 500. Et un mode normal, nouveau. Ok, parfait. On va arrêter là. De toute façon, j'ai pratiquement plus d'argent. Donc là, on a vu, on a commencé à débloquer des choses. Là, j'ai rien pour l'instant. On va aller voir ensuite. Là, je peux aller dans les duels. Là, j'ai les héros. Donc, si je vais dans héros, on va retrouver pas mal de personnages. Et du coup, il faut des gemmes pour débloquer ce personnage-là. Moi, j'ai 50 gemmes, donc je pourrais le débloquer là. Et augmenter. Donc, ça, c'est un mage de glace. Ok. Modifier l'apparence. Ouais, je sais pas trop. En style Harry Potter. Qu'après, voilà. Lui, je sais pas. Le mage guerrier, capitaine des pirates. D'accord. Là, j'ai pas la personne qui tire. J'aurais voulu voir ça avec vous. Donc là, vous voyez, hein, au niveau du stuff, il y a ce qu'il faut, quoi. Hop. Là, je vais prendre ça. Au centaure, impeccable. J'ai récupéré une personne et des cristaux. Parfait. Donc là, les duels, on verra après. Les équipements. Là, je peux le faire. Non, il m'en manque une. Donc là, j'ai pas ça et ça, mais je vais pouvoir le fabriquer après. Et au niveau des sorts, héros. Hein, chercher. D'accord, on va voir ça ensemble dans les aventures. Donc là, de ce côté-là, c'est du lourd. Quand j'avais déjà commencé la partie, c'est pas dit que je gagne là, hein, dans cette partie-là, on va voir ensemble. Donc là, c'est bon. On a des plantes et les trophées potentiels, c'est ce que je recherche justement. Voilà, donc j'ai tout intérêt de gagner cette mission pour pouvoir continuer. Donc là, il faut faire attention, il y a des pièges. Ce qui est au milieu, c'est des pièges. Il faut faire super attention. Vous avez maintenant accès au sort en combat. Le chiffre indique la quantité de mana. Appuyez pour lancer votre premier sort. Donc là, on va appuyer. Voilà. Vite, sélectionnez-le. Qu'est-ce qu'on va faire? 2 minutes. Voilà, et on va lancer sur la plante. Donc là, vous avez vu, hein, c'est celle qui enfin, le personnage de tout à l'heure. Là, je vais le mettre là. Voilà, c'est super. On va le mettre au milieu. Super. On voit ce qu'il vise. Les archers. Ah, dommage, j'aurais bien aimé le niquer directement. Mais bon, même avec les sorts puissants, c'est pas ça, hein. Ah, j'ai pas fait gaffe, autant pour moi. Ah, il est impeccable, on en a récupéré un. Super. Donc là, pour l'instant, toujours pas de stratégie. Lui, il veut pas. On va pas. Voilà, on va le laisser comme ça. Allez, c'est parti. Là, il se met dans un coin, ça m'intéresse pas non plus.
Avec les archers, ça va le faire. Et voilà. Donc j'ai perdu un toutou et un paysan. Mais c'est pas grave. Alors je sais pas si j'ai tout récolté. On va voir ensemble. Au niveau de l'équipement, mais j'en ai deux. Non, j'ai pas récolté le fer. Dommage. On va essayer de le récolter. Là, il n'y a pas de fer à récolter, dommage. Je vais pas récolter le fer tout de suite. Le fer, c'était avec les plantes, et j'aurais bien voulu en récolter d'autres, mais là, ça va pas être possible. Là, vous avez toute la carte, hein. Il y a de quoi faire. J'ai pas trop envie de trop vous spoiler le jeu, de les découvrir ensemble, c'est bien. Hop. Allez, on attaque, et après, je vais vous laisser après cette partie-là. Ah, le petit son là derrière, franchement, il fait plaisir. Super. Quand ça se passe comme ça, c'est impeccable. Impec. On avance, on progresse. Donc là, phase relativement simple, on le voit. Hein. Mes équipiers sont bien supérieurs. J'utilise pas pour l'instant les nouveaux sorts. Je vais attendre un peu parce que ça consomme du mana. Je veux le stocker pour le moment. Et voilà, on a gagné. Bon, on n'a pas récupéré grand chose, mais bon, principal, j'ai récupéré deux bois. C'est le fer qui me manque, mais j'ai toujours pas le fer. Donc là, hop. Voilà, donc on va se laisser pour aujourd'hui, petit épisode, je vais revenir assez rapidement sur Braveland Heroes, on va continuer les épisodes, on va continuer de farm le jeu ensemble pour continuer de le découvrir, hein. Je vous ai un peu spoil la carte, voilà. Pour le moment c'est tout, je préfère faire des petits épisodes plutôt que de partir sur des épisodes d'une heure, puis que ça lasse tout le monde. Petits épisodes comme ça, entre 2-3 autres épisodes avec le Droid Geek et puis moi en tant que Droid Tech sur la Switch ou sur Android ou sur d'autres consoles, ce que j'ai prévu de faire d'autres consoles. Voilà, je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.